là depuis trop longtemps. Je regarde les années passées, le dos sur la clôture d'un champ. Je ne voudrais bien plus pouvoir penser, assis sur le bord de la route, avec le blues et les cigares. Assis sur le bord de la route, sans étoiles. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when an evening comes, watching the chips roll in. Then I watch him roll away again, yeah. Sitting on the dock of the bay, watching the time roll away. Sitting on the dock of the bay, on the wasting time, nah. I left my home in Georgia, here before the priest could pay. Have nothing to live for, then I watch him roll away again, yeah. Sitting on the dock of the bay, watching the time roll away. Sitting on the dock of the bay, and wasting time. Hey! Look like it's nothing gonna change. Everything still remains in the same. I can do what them people tell me to do, so I guess I remain the same, yeah. Sitting here resting my bones, where this loneliness won't leave me alone. 2,000 miles I rose, is it just to make a dog of my home? Sitting on a dock of the bay, but watching the time roll away. Sitting on a dock of the bay, gonna waste your time. Ah, hey, look like is nothing gonna change. Everything still remains in the same. I can do what some people tell me to do, so I guess I'll remain the same, yeah. Sitting down with a whiskey in my bones, and this loneliness will leave me alone. It's 2,000 miles I rode, just the loneliness will leave me alone. Sitting on the dock of the bay, but watching the time roll away. Sitting on the dock of the bay, gonna waste your time. Installé, tu connais un petit peu voilà, le chemin. On va commencer par Mathieu Renaud. Waouh, Yanos, j'ai pris une petite claque. J'ai été très surpris parce que je m'attendais vraiment pas à ce que tu la chantes en français au début. Et c'est, ça, c'est cool, c'est le petit effet de surprise. Genre, oh, dis donc, un classique qu'on connaît, mais tiens, en français, on n'a jamais entendu. Donc, un bon point. Ça c'est cool, en plus t'as une bonne voix, un peu comme Clem tout à l'heure mais dans un registre plus couillu. J'ai... On n'est pas tout à fait écouté pareil, c'est normal. Oui bah oui, j'ai kiffé justement en fait le côté un petit peu doux,
Et un peu plus viril après. Comme ça. Ah bah. Ça revient, voilà. Non, c'est cool. Et ça pourrait sonner très vite, Eddie Mitchell. Et en fait, non, t'arrives à justement pas être ringard du tout. Tu sais, ça pourrait faire. J'allume le code B. Pas du tout. Ça passe super bien. Donc bravo à toi. Puis on voit que tu prends ton pied. Donc tu le transmets. Tu as vu le public. Tout de suite, il a. Merci. C'est super. Voilà, je l'invente pas. Ou alors tu les as payés très cher tous. Non. On passe la retraite. Et donc, mais c'était parfait. Quoi. Bon choix de chanson, super, ça te va bien, donc c'est top. Bonsoir Yanos. Comment on se retrouve? Ouais, c'est vrai que tu dégages toujours énormément d'énergie. Et j'aime bien, c'est ta façon, quasiment sans bouger, en étant sur place, d'amener le public avec toi. Et ce que j'apprécie aussi dans ton timbre de voix, c'est que tu as un timbre de voix plutôt vachement marqué. Et t'arrives à être super doux, tu sais. On est rose en pleurant et... J'espère que c'est pas qu'avec la voix. Ça va être super doux. Mais c'est vrai que c'est assez inattendu. Et franchement, tu maîtrises pas mal. Et c'est vrai que ça envoie, quoi. Ça envoie, y a pas à tortiller. Donc encore bravo. Bravo, merci bravo. Beaucoup. Hello, Yanos. Moi, j'ai beaucoup aimé le petit côté sexy à la Elvis Presley qui se dégageait de toi. C'est vrai, c'est super chouette. Et en effet, un bon point d'avoir commencé en français, en fait. C'est toi qui as fait ça ou c'est une version qui existe déjà? Je vais pas tout te raconter. Quand même. En tout cas, un bon point, vraiment. J'étais marqué aussi par ta voix. Et voilà, en tout cas, il y a pas grand-chose à dire. Merci. Vous savez qu'on voulait que ça change un petit peu, donc c'est pour ça... Il y a un peu de français dedans, je trouvais ça sympa. Oui, je suis d'accord. Et en plus, ça permet aux gens qui ne parlent pas forcément l'anglais de comprendre un peu de quoi ça parle. Parce que c'est vrai que c'est une chanson qui est assez... je ne sais pas trop comment la décrire, mais c'est pas le pump it up où on va tous se monter sur les tables. C'est, ça parle du fait que quelqu'un puisse passer du temps comme ça, tranquille, à se détendre, à regarder les bateaux qui passent. Les étoiles, voilà. Et finalement, je pense que c'est un choix de chanson assez, j'allais dire couillu, mais je vais pas le dire, parce qu'il y en a marre de ces mots vulgaires. C'est bien d'avoir tenté, parce que finalement, l'interprétation pourrait être ennuyeuse, parce qu'il se passe pas grand-chose dans la chanson, sauf ce fameux bridge là à la fin. Mais vous avez réussi à en faire quelque chose où on ne s'ennuie pas, ou justement ce que disaient tout de suite mes camarades, tu as beaucoup de nuances dans ta voix, donc tu sais faire des choses très délicates, et ensuite, rentrer dedans. Moi, je suis fan de ce style de musique, donc du coup, j'ai vachement aimé. Je regarde si j'ai noté... Oui, tu as une bonne gestion du souffle aussi, je trouve. On sent vraiment le métier, donc forcément, par rapport à une petite de 14 ans, c'est pas pareil. Mais tu voilà, t'embarques le public, tu es à l'aise. Enfin, en tout cas, tu as l'air à l'aise. Et c'est très agréable de te voir sur scène. Ouais. Ah, merci. 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 Bravo, Yanos.